Salut Taglit France, je m'appelle Réhouven, j'ai 20 ans, j'ai fait Taglit en 2016 et maintenant je suis dans les parachutistes de Tsahal. Moi j'ai jamais oublié ce voyage, ma sœur l'a fait, mon frère va le faire et c'est vraiment une expérience unique. Ça y est, je l'ai fait. J'ai pris l'avion direction Tel Aviv avec 30 inconnus qui n'allaient pas rester longtemps. Taglit, c'est le genre de voyage où tu te rends compte de la beauté d'un pays, sous la tempête, sous la boue, sous les vagues ou à d'autres chameaux. C'est une expérience qui te fait grandir. Une opportunité de rencontrer des gens du monde entier. De découvrir un pays en profondeur. Et pas qu'au sens figuré. C'est un groupe qui s'unit de jour en jour. Les yeux ébahis devant des vues de plus en plus belles. Taglit, c'est un voyage offert, mais c'est aussi une trentaine de nouveaux potes, des fous rires et des souvenirs. Mais derrière tous ces drapeaux, tu te rends soudainement compte de plusieurs choses. Tu réalises pourquoi des milliers de gens ont donné leur vie pour un État, pour un peuple. Pourquoi des jeunes de 20 ans sont prêts à courir sous les balles ennemies, dans une vieille ville, simplement pour libérer un mur de pierre. Tout ça, tu le comprends une fois que tu y es. Tu comprends que c'est pas un simple mur qu'il défend. C'est un mur qui lie une nation. Un mur qui rassemble des gens du monde entier. Des gens qui se ressemblent dans leur âme. Ce mur, il a rien d'exceptionnel. Mais c'est le nôtre. Et quand une chose est à toi, tu la gardes près du cœur. Pendant ce voyage, j'ai vécu les choses comme des premières fois, même si ce n'était pas toujours le cas. Cette vidéo, c'est ma façon de dire merci. Alors à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir ce qui est à eux, ou qui ils sont, à tous ceux à qui ça a donné les frissons, ne manquez pas l'inscription. On a une seule occasion. Mais retenez une chose. En Israël, quand on part seul, on rentre ensemble.